André, Grégory, Mamie Rock, Laetitia. De la famille Bouldou, on connaît les personnes les plus illustres, celles qui défrayent régulièrement la chronique. En revanche, on en sait un peu moins sur Norbert Boudou, cet oncle de la veuve de Johnny Hallyday, petit frère d'André qui est mort à l'âge de 48 ans des suites d'une longue maladie en 2006. Marié à Sylviane Destaya, la nounou de Jade et Joy qui a récemment dû quitter Los Angeles à cause de son visa, Norbert Boudou a été de son vivant une figure des nuits du Cap d'Agde. Et également une personne très proche de Johnny Hallyday. Restaurateur, il a longtemps dirigé la pizzeria do Cap d'Agde, puis la pizzeria familiale Le Liberties, où Johnny et Laetitia Hallyday se rendaient souvent, rapporte Gala. Véritable oiseau de nuit, Norbert Boudou était également disque jockey dès le début des années 70 dans cette station balnéaire de l'Hérault. Qualifié de bon vivant et baron des premières nuits capagatoises par le Hérault Tribune, il était notamment un fervent joueur de belote et un passionné de football. Mais la passion qui le caractérisait le plus, et qu'il avait en commun avec son frère aîné, était celle qu'il portait à l'Afrique, dont il avait de nombreuses fois sillonné les déserts et les routes. Des voyages qui lui valurent auprès de ses amis le surnom de Nono l'Africain. Sa proximité avec Johnny Hallyday qu'il appréciait beaucoup, a notamment permis à Norbert Boudou de s'essayer à la musique. Il avait ainsi sorti un CD de titres avec des amis, nommé Banana Republica.